Hey, salut les amis, 6 septembre, dimanche, le 6 septembre 2015. Je suis en train d'écrire un article super intéressant sur... En fait, c'est un jeu, puis c'est devenu quasiment une obsession chez moi. Ça s'appelle « Apprendre à parler et à communiquer positivement ». Je suis en train d'écrire une infolettre là-dessus. Et j'aimerais ça vous initier à cette façon-là de communiquer positivement. Puis d'entrée de jeu, je vais vous donner des exemples sur ce que ce n'est pas de communiquer positivement, puis vous allez comprendre assez rapidement. Alors, si je vous dis comme ça, puis ça c'est un jeu, vous allez voir, ça devient vite une obsession. Si je vous dis comme ça, n'ayez pas peur. C'est quoi le message que je veux passer? Qu'est-ce qui serait plus efficace de dire selon vous? Il y en a peut-être là qui réfléchissent, OK, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, moi, je serais porté plutôt à dire maintenant, soyez rassuré ou sois courageux. Ça, c'est un message positif. C'est un message qui amène la personne à penser différemment. Un autre exemple, ne faites pas ça. On l'entend souvent, on dit ça aux enfants, fais pas ça. Quand tu dis à un enfant, pile pas dans la flaque d'eau, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la première chose qu'il va faire? Il va sauter dedans directement. Si tu lui donnes une directive, puis tu lui dis « contourne la flaque d'eau » ou « passe à côté », ça, c'est une directive positive parce que tu lui indiques exactement c'est quoi que toi, tu veux. N'oublie pas, on l'entend-tu? Hey, oublie pas tes clés, oublie pas ça. Pense à porter tes clés avec toi. Pense à remplir tes heures, tes feuilles de temps. Pense à acheter telle affaire. Oublie pas d'acheter le lait, là. Non, c'est pense à acheter le lait en revenant de travailler. Ça, c'est une façon positive de penser. Ne jamais abandonner. Abandonne pas. Courage. Abandonne pas. Non, c'est persévère. Vas-y, t'es capable. Ça, c'est une façon positive. Hey, je me sens comme un chapu, là. Le gars qui parle, qui est positif. Hey, sois positif. Non, mais c'est une façon de penser, je niaise, mais c'est une façon de penser qui est complètement différemment. Moi, dans mon cas, quand je dis quoi, ou quand j'exprime, quand j'essaie d'exprimer plutôt ma pensée aujourd'hui, j'ai toujours cette arrière-pensée-là de m'observer puis de dire, est-ce que... Bien, c'est pas un gros processus, là, ça se fait automatiquement, mais c'est... Je me dis, OK, c'est-tu vraiment ce que je veux passer comme message? Et vous allez voir, ça fait toute une différence. Puis, qu'est-ce que ça vient faire, ça, chez les gens? Bien, un exemple. Si je dis, oublie pas tes clés, quel message j'envoie à l'autre? J'envoie comme message que j'ai un doute. J'envoie comme message que j'ai peut-être pas confiance qu'elle va être capable de les apporter. Puis, l'image mentale que cette personne-là va avoir chez elle, bien, ça va être carrément les conséquences que ça pourrait avoir si elle oubliait ses clés. Tout de suite, elle va penser aux conséquences. OK, si j'oublie mes clés, je vais rester pogné dehors ou il va falloir que j'appelle quelqu'un. Il y a tout de suite un mécanisme intérieur qui se met en branle. Et si, par contre, j'emploie le langage positif, quel message j'envoie à la personne? Pense à apporter des clés. Je lui envoie le message qu'elle a la capacité, elle, de se prendre en main, de réfléchir à ça et de penser justement à apporter ses clés et qu'elle est responsable. Alors, ce que je vous propose dans la semaine qui vient, puis c'est vraiment un jeu, hein, vous allez voir qu'on devient vite accro à ça, puis on s'observe tout le temps dans ce qu'on dit. D'ailleurs, tiens, j'ai un exemple avant de poursuivre ce que je veux dire. Si je vous dis de ne pas, puis ça, en coaching, on l'apprend parce que pour définir un objectif, souvent, on va travailler ça avec les gens. On ne veut pas savoir qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, on veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et si je vous dis « ne pense pas à un éléphant rose », c'est quoi la première image qui te vient en tête? Pas besoin d'y répondre, c'est un éléphant rose. C'est pour ça que d'avoir une pensée directive, t'aligne les gens sur l'effet escompté ou désiré. Et c'est pareil dans notre façon de penser à nous. Vous allez voir, quand on se parle à nous-mêmes aussi, on devient vite
observateurs de notre façon de penser. Dans la société, on ne nous a pas appris à nous exprimer d'une bonne façon nécessairement. On nous a plutôt appris à nous éloigner de quelque chose plutôt que d'aller vers quelque chose. Alors, je vous invite dans la prochaine semaine, justement, à vous observer et à regarder la façon dont vous communiquez avec vos proches. Puis, ben, si vous avez d'autres exemples comme ça de mots, j'aimerais ça les connaître. Moi, j'en cherchais un matin, là. J'avais trouvé « n'ayez pas peur, ne faites pas ça ». Mais je le sais que dans notre langage courant, on en a plein. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Hey, il fait super beau. On est au mois de septembre. Il fait chaud. Je pense que je vais aller me baigner. Puis je vous souhaite une belle semaine. Puis j'aime ça faire ça, des petites vidéos de même. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao!